Hello tout le monde, c'est Flo et bienvenue pour ce nouveau PVP swap sur Epicube. Dans la map Garden, une map que je n'ai pas faite pour l'instant, c'est justement pour ça que je fais ce PVP swap sur cette map. Il y a un PVP swap maintenant, j'ai essayé de faire quelques petits Hunger Games qui n'ont pas été qui n'ont pas été couronnés de succès. J'ai peut-être mis deux petites séquences un peu épiques au début de ces HG qui étaient assez cool, mais malheureusement j'ai pas pu win et donc là on va se retrouver pour un petit PVP swap. Assez tranquillement, donc sur les serveurs d'Epicube, on va essayer de faire pas mal de kills, hein, comme à chaque fois. Je trouve qu'un PvP swap sans kill, c'est pas forcément intéressant. Oh putain, sympa, ok. La technique de fou, quoi, du mec. Elle est à moi. Non, il a tout pris. Sniff, je suis une victime, là, dans le PvP swap, c'est moche. On va prendre de la bouffe. Donc voilà, un petit PvP swap, j'ai essayé de faire un maximum de kills. Personnellement, mon record, c'est une dizaine. 10 kills, j'étais vachement content quand j'avais fait ça, parce que c'est la moitié de la partie quasiment. Donc voilà, donc on va essayer d'en faire la masse. Après ça dépend avec qui je tombe, avec combien de personnes je tombe. Si par exemple directement dans tous les swaps je tombe sur sur personne, je vais galérer un petit peu. Donc allez, c'est parti, hop, on va se faire cuire un petit peu de fer histoire d'avoir directement une épée dès le début. Ça pourrait être sympa. Et on va se faire une table de craft aussi. Toc. Mais là pour l'instant je suis déjà bien stuff, hein, avec des flèches et tout. C'est cool, et un arc, et une popo de heal aussi, une popo de heal 2 d'ailleurs, c'est cool. Je vais poser ma table de craft et on va se faire notre épée. Tac. Donc voilà, là ça va être des vidéos plus détentes, on va dire, durant... Ouh, putain, j'ai eu de la chance. Ça va être des vidéos, on va dire, plus détentes lors de ces deux semaines, parce que je vais partir en vacances pendant une semaine. Non mais, hey, mec, Jojo Lapin là, t'es pris pour qui? T'es pris pour qui, bonhomme? Ah, il est bien stuff lui aussi. Ça va être des vidéos, ouais, donc plus détente parce que je suis en vacances et tout, donc j'ai pas eu énormément de temps pour les tourner. En même temps, je sors beaucoup vu que c'est les vacances, faut en profiter et tout. J'aurai un petit peu plus de temps, on va dire, en fin de vacances. Il y a qu'un seul mec dans mon swap, c'est dommage. On va se le faire, hein, après on va voir ce qu'on peut faire. Au pire, je vais essayer de rejoindre les autres swaps, faire des ponts entre les swaps. Non, mec, non, il est sérieux. Putain, are you serious? Je vais jamais pouvoir le rejoindre, sauf si je prends du bois. Comment déloger un campeur rapidement? Hop, 28 bois, je pense que j'ai largement assez. Malheureusement, j'ai pas de pioche. S'il a un arc, je suis baisé. Oh, putain! Mais la violence! Violence! Violent! Oh, non, le stuff. Ok, c'est bon, j'ai eu. J'ai eu la majorité, je crois. J'espère. Putain, il m'a empoisonné, le bâtard. GG. Hop, paranoïa. On va se mettre le petit pantalon, on a une sharpness, on n'a pas beaucoup d'XP malheureusement. Je pense que du coup on va pouvoir retourner tranquillement au spawn. Et on va essayer de faire notre objectif de rejoindre les îles. C'est fou ça. Hop, on va péter ça. Parce que j'ai pas grand chose à faire là en attendant. Franchement j'aurais voulu faire du kill, mais c'est un peu le hasard dans le PvP swap pour le kill. Ça dépend sur qui on tombe. Je sais pas combien faut de blocs. Je pense qu'avec du bois, c'est le plus utile pour faire ce genre de truc. Ouais, parce que c'est quand même assez loin. Hein. Où sont les swaps? Bon, c'est complètement fou, hein, ce que je suis en train de faire. En plus, je vois rien là. Oh, putain. Oh la vache, je suis presque mort. Super. Putain, j'ai voulu poser un bloc au dernier moment, mais au final... putain. Ah mais c'est vraiment une map, ouais, cette map c'est vraiment la map des gros traits, des gros coups de pute, des gros coups de bâtard. Putain, je fais attention, parce qu'avec le vert on a du mal à différencier en fait les blocs. Et bah on se tape souvent le vide quoi. Non, les poulets. C'est bon, donc on va avancer tranquille. Voilà, j'avance. Ah ouais, non mais attendez, s'il y a des poulets ça va pas trop le faire en fait. Il reste du monde ou pas? 5, 6, 7, 8, 9, il reste 9 personnes, ça veut dire que je peux encore faire pas mal de kills. Ce qui est l'objectif clairement là de cette vidéo, faire beaucoup de kills en PvP swap rapidement. Même si là il n'y a pas grand monde au début. On va régénérer notre vie tranquillement. Il n'y a pas moyen... Ah, tiens, je vais me faire de l'XP. Pas moyen de se faire de l'XP si y a moyen. En prenant le charbon plutôt qui est là. Comme ça commence. C'est bon. Ok. Double boom. Triple boom, c'est parfait, allez, ça commence bien là. Il y a du fer ici. Allez, c'est beau. Donc là, on va faire un full rush. Il y a quelqu'un en face.
Non, mon arc, non, mais mon arc, oh. Non, mais ça se plaint pour le quai, là. Mon arc. Super. Non, mon arc. C'est bon, j'ai. J'ai. Par contre, j'ai perdu ma popo de soin. Aïe. C'est chaud, ça. C'est chiant, plutôt. Où est-ce qu'ils sont? Ce serait con qu'ils se killent sans moi, quoi. Les mecs? Bon. Visiblement, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'as-tu fait? Lui, il a fait du kill, lui. C'est bon, je l'ai eu. Donc, devra rester une personne, je pense, dans la map. On va dropper ça. On va dropper ça aussi. On va prendre les têtes. Paranoïa. Donc, c'est pas trop utile, hein. Ça permet de générer des bruits sur les adversaires. Ils ont l'impression qu'il y a des mecs près d'eux. Mais franchement, globalement, enfin, quand on est averti, quoi, ça sert pas à grand-chose. C'est pas ce qui va les. Ils vont pas se suicider de peur dans le vide. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre truc? Si, il y a ça. Hop. Tac. Et il reste plus beaucoup de monde déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire 7 kills. Bah, allez, 7 kills. Ça va, 7 kills. C'est bien, 7 kills. On va faire du full rush. Efficiency 3, c'est énorme pour une pioche en diams. Je crois que j'ai la pioche la plus cheatée du truc. Il y a une autre popo. On va la prendre tranquille. Voilà. Oh, ouais, il y a une épée fer encore. Le plus important, on va dire, je pense que c'est les popos de heal. Quoi qu'on peut mettre deux popos de dégâts ici. Hop. Voilà, tranquillement. Je vais prendre aussi les Feather Falling. Ça peut être utile. Ce sera toujours plus utile que des vieilles P1 qui ne servent pratiquement à rien. Et on va se stuff tranquille. On va se faire notre petite sharpness avec un level. Non, pourquoi je mets le book ici? Ça sert pas à grand chose. Hop. Sharpness 2. Est-ce que j'ai d'autres sharpness? Oui, je peux faire une sharpness 2 en bouquin. Alors les bouquins, c'est moins lourd à enchanter niveau XP, on va dire. Enfin, à fusionner comme ça niveau XP. Je vais pouvoir également mettre mon arc. J'en ai pas d'enchanté. Non. Hop. Level 1. Et on va le transformer en Power 2. Voilà. Et le reste, je pense que c'est bon. Écoutez. Je pense que c'est bon. Hein. Déjà, on a dépensé pas mal de niveaux pour ça. Et là, normalement, on va être swappé dans pas trop longtemps. Bon, il me reste 4 mecs à tuer. Mais bon, je pense qu'on va. Ça va bien. On va bien gérer. Je sais pas si on se retrouve directement dans la salle finale là. On va écouter avec le bruit que va faire notre entrée dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de personnes. Oula. Voilà. Bon, le bruit n'a pas duré très longtemps, mais c'est déjà ça. Bon. Des popos de poison. J'adore ça. Enfin, c'est pas la salle finale que je préfère. La salle finale que je préfère est celle des Pilabs. Dans le laboratoire et tout. C'est vraiment stylé. Bon là c'est on va pas dire que c'est nul, c'est vraiment c'est même justement assez cool. Franchement les P-Cubes niveau architecture ils ont bien géré je trouve. Ok, il y a des mecs en face qui se killent. Ah, une team. Salut. Le coup de pute. Donc on focus qui? Donc il y en a un qui a pris cher. Ah, mais putain mais. What the heck? Mais what the fuck, ils sont trop. Ok, c'est une team de 3, les gars. Au secours. Vous ne m'aurez pas. Meurs. Bim. Au suivant. Bon, là, j'avoue que j'ai bien utilisé mes poisons, mais j'étais un petit peu obligé. Oh non. Trop de bâtardise en ce geste. Je l'ai eu. Double heal. Ok, je sais pas où il est passé son pote. C'est tendu quand même, une team de 3 en PvP swap. What the heck? What the heck? Ça va être utile. Expert Liarmus, comme dans Harry Potter. Je vais drop. Ça va faire drop l'épée à mon adversaire. Tu m'auras pas. Chacal. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même. Non! Non! Ouh! Ce retournement de situation complètement fou! Bat attaque! Boom shield! C'est vachement tendu. Pour pas vous mentir. Je crois que c'est le plus épique swap pour l'instant. Jamais vécu. On va mettre une deuxième popo poison. Et on va se jouer en mode sniper. Ah, il se protège. Il n'y a pas du heal. Ah, je l'ai touché.
Cool. Oh putain, ouais, lui aussi, il se protège. La vache. On va se battre au fer, mon pote. J'ai une idée, on va tirer sur ses pieds. C'est pas con, ça. Banzai! Ah, le bâtard. Là. GG, je lui ai calé la flèche de la fin. Donc, on a fait 6 kills. C'est une bonne partie. Franchement, on a bien géré. Hein. C'était une team de 3 et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu hein, comme game détente pendant les vacances. C'est pas une vidéo qui dure forcément très longtemps. Mais au moins, voilà, ça permet de pas casser le rythme, etc. Ça fait un petit peu de gameplay. On va se retrouver bah, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!